Salut tout le monde, c'est Pyro54 et on se retrouve pour un deuxième test ou un deuxième épisode, comme vous le voulez, sur le jeu Loulabia. Donc j'ai tellement adoré ce jeu que j'ai décidé de vous le faire découvrir en entier, en fait, par des petites vidéos de 20 minutes à peu près. Bon, on verra bien. Je vais essayer de vous faire découvrir tout le jeu qui pour l'instant n'est qu'en bêta. Donc on va reprendre depuis la dernière sauvegarde. Donc, il y a eu quelques petits changements depuis la dernière vidéo. En fait, au lieu d'être un berserker, j'ai pris le sentinelle. C'est juste ça qui a changé. Et donc, on va parler au vieux papy. Bien, je vois que tu as fait un choix intéressant, voulant dire sentinelle. Cette journée a dû être longue pour toi, repose-toi bien. Putain. Ok. Oui, ça refait un truc. Ouais, ça va faire une cinématique de début en fait. Persista d'amour ou de folie. Eh ben, c'était une belle petite intro, hein. Donc, apparemment, notre papa est parti. Et il a disparu. Ok, il n'est pas peu aliéné, c'est la maison du grand-père, je connais bien. Et même si Pyrrhus m'a dit qu'il y avait des fantômes dans sa chambre, je suis sûr que c'est vous. Putain. C'est le moment de vérité. Je vais faire ça. Ok, c'est mon anniversaire. Pas de fantôme, toujours vérifier. Oh l'hôtel. Pas de vent. D'accord. Bonjour Yana. L'hôtel se casse. N'importe quoi. Qu'est-ce que t'as? Tu m'as vraiment fait peur, Pyrrhus. Pourquoi tu fais ça? Je n'ai vraiment rien. Bon, c'est ton anniversaire, alors j'imagine que je n'ai pas le droit d'être énervé contre toi. Foutue convention sociale. Qu'attends-tu pour me souhaiter mon anniversaire alors? J'allais le faire. Joyeux anniversaire! Quel effet d'avoir 19 ans. On a 19 ans? Ah oui, on est vachement plus vieux que sur le. La première image de nous. Donc ça fait. Ah oh, oui, on a. Ça fait longtemps en fait qu'on dort. Parce que quand notre père est parti, on dormait avant de se réveiller. On a dormi pendant 10 ans. Je savais. Allez, on va partir aujourd'hui. On part où? Bon, on va un peu visiter. Journal de quête pour Pyrrhus. Ok. Ouah, c'est bien fait ça. Bah ouais, c'est vrai que c'est indiscret de lire les lettres des autres gens, mais bon. Bon, on va dire au revoir au papy. Je vais dire ça. Oui, je n'empêcherai pas. D'accord. D'accord. Quoi le monde? Mais reste prudent, ton père et moi. Je ferai mon possible, mais je vais essayer de sauver.
Tukari d'Avalon. D'accord. Ok, v'là le connard. Hein, j'avais pensé à donner des armures, mais en fait, non. Non, tu te démerdes. Tu en aurais besoin là. Ça... de quête. J'ai écrit chose. Oui, donc en gros, il va falloir que je fasse des quêtes dans le village pour pouvoir me forger mon équipement, pardon, avant de me barrer. Je suis sûr que c'est des adieux, en fait, il va crever lui. Bon. Ah, je me suis dit, putain, pourquoi l'écran est noir? Alors, est-ce que tu es prêt pour ta surprise? Ah oui, en fait, notre bonhomme, il a vachement grandi. Ouais. On a vachement grandi. Alors, j'ai un peu peur, oui, je vais avec toi. Ça aurait été sympa de ne pas partir seul, mais mon grand-père ne sera jamais seul. Ça pourrait être dangereux, tu sais. Mon pauvre Pyrrhos, il y a tellement de choses que tu ignores à mon sujet. Je n'ai jamais eu la chance d'être entraîné par mon grand-père comme toi. Il voulait me protéger. J'ai beau lui répéter que la meilleure façon de me protéger, c'était j'entraînais à l'arc, je veux dire que je me donne pas mal du tout. Mais j'étais jamais vu avec un arc pourtant. Il fallait pas que mon grand-père s'en rende compte. Apparemment, il n'est pas le seul à tomber dans le panneau. Ok. Donc, elle veut venir avec nous. Sauf qu'elle s'est jamais entraînée avec le grand-père. Elle s'entraînait toute seule. À l'arc. Yen. Ok. Je vais juste regarder mes compétences. J'ai pas de... J'ai tout ça comme compétence déjà. Waouh. Alors, lumière se brille, chance, hein. Prends des points de vie à tous les alliés. Ouais. Ouais. Portion magique, attaque offensive. Ouais, ok, j'ai quand même des attaques. Alors, équipement. Optimiser, Jitchi. Équipement d'elle. Optimiser, Jitchi. Ok. Bah, je vais juste sauvegarder peut-être avant. Ok, des fois il y a le petit ralentissement, c'est bizarre. Ah oui, donc voilà à quoi on ressemblait quand on était jeune. Je vais faire une deuxième sauvegarde en dessous. Zachary. Voilà, donc ça c'est quand on est jeune. Ça c'est quand on est jeune. Et ça c'est quand on est un peu plus vieux. Très bien fait, hein. Je sais pas si c'est toi qui as fait les visages de tes personnages, mais ils sont super bien faits. Ok, donc il y a un peu de bug pour sortir du menu. Ça lag un petit peu. Ouais, donc là, la grenouille, elle saute. Ça, c'est super impressionnant. Qu'est-ce que tu veux me dire? Lequel? On est fauché comme les champs. Oh, l'expression. Ça m'a pas pris d'avance à l'extérieur. Parle pour toi, tu devrais... Comment? Oui, donc c'est ce que je dis. On va faire des petites quêtes pour avoir de la thune. Pour avoir des ingrédients aussi, et comme ça on pourrait aller à l'atelier d'artisanat de. Je n'arrive pas à lire. Tacita. Ok. Nous pouvons aussi récolter ces ingrédients. Plan de bois, poisson, minerai. Outils, pioche, hache, serpe, ou encore canne à pêche. Oh, on peut pêcher. Oh, trop bien. Si l'on passe chez moi, je dois. L'atelier. Une fois que nous aurons accompli un certain nombre de ces préparatifs, nous aurons assez de provisions et d'équipements et nous serons prêts à partir. Ça ne va pas être long, allons-y. C'est vrai, t'as raison, c'est sûr que. Pourquoi c'est là comme ça? C'est sûr que c'est plus intelligent de partir à l'aventure en étant équipé que. On est en rien du tout sur le dos, quoi. Gros le berger. C'est du poisson, comment tu. On va bien, tu es sûrement déjà au courant de notre départ, toi aussi. Oh non, je ne savais pas, j'espère que rien ne vous. Que rien ne vous arrivera. Mais je pense que vous avez tout pour réussir, j'en suis certain. Presque tout à vrai dire. On cherche justement des petits travaux à faire pour s'équiper avant le départ. Aurais-tu quelque chose pour nous? C'est le moment de tourner les moutons. Ouais. Ok, donc. J'imagine que ça pourrait être tourner les moutons et avoir des malades. D'accord. Oui. Waouh, bien. C'est excellent ça. C'est excellent. Ah oui, puis les moutons ils perdent vraiment leur laine. C'est vraiment bien fait.
Alors, à côté, il y a l'artisanat. Alors, je sais que c'est assez impressionnant. Voilà. Dès qu'on s'approche, il y a la bonne femme qui apparaît. Et qui bah, disparaît pas si on s'éloigne. Ça, c'est pas grave. Mais voilà, dès qu'on s'approche, elle apparaît. Et ça, c'est super fort, je trouve. Super, super fort. Voilà, j'ai tondu tous les moutons. Cette laine. Donc, je pense avec la laine, je pourrais me faire des vêtements. Vous avez reçu cette laine. 5 points de réputation et 10 points d'expérience vous ont été accordés. Merci. Merci. Donc, on est à Maid. Ou Maidé. Ou. Je sais pas trop le nom. Je sais pas comment on dit. Bon, ça, c'est une baraque. Il n'y a même pas de fenêtre. Ça, c'est une baraque. Il n'y a pas de fenêtre. T'aimes pas les fenêtres, toi, dans ton jeu, je trouve. Marchand moustachu. Oh la tête! Si vous voulez faire des affaires, sonnez une cloche. Les cloches. Bien, bien, je sonne les cloches. Quelle cloche? Mais quelle cloche? Mais de quoi il parle? C'est quoi les cloches? C'est quoi de ça? J'entraîne ces poussins, ils ont perdu leur maman. Deux, trois coins, coins. Wow, mais c'est quoi des gens que t'as fait dans ton village, toi? Ah, c'est excellent. Je n'ai pas assez de. J'ai assez de ces lois sur la coupe du bois. J'ai passé ma journée à chercher des frênes. Il y en a quelques-uns dans ma ville, mais ça va. Mais je suis trop fatigué. Putain, le mec il dort. Bon, alors peut-être qu'il faut que je coupe des arbres, mais je n'ai pas de faux. Comment je fais? Pas de hache, je n'ai pas de faux. Alors là, je pense que je vais ramasser des pommes. Hey, Pyrrhos, que viens-tu faire par ici? Pour être honnête, on cherche à faire. Oui, d'accord. Effectivement, vous avez besoin. Ok, donc là, je suppose, je suis même quasiment sûr, qu'on va ramasser 84 pommes et on va en avoir 4. Voilà. C'est un truc comme ça. J'ai entendu parler des mo de morts vivants entre Crossroads et Alasta. J'arrive pas à lire, c'est impressionnant. Ah, l'Asta, pardon. La ville portuaire de notre île. Ah, donc on est sur une île. Ok. Commençons avec les pommes. Ramène-moi. Ramène-moi de chaque arbre. Tu t'en laisses une partie. Je m'occupe de cet arbre. Évidemment. Oh, bien joué ça, le petit truc de d'écrire en plus petit pour faire les sarcasmes. Évidemment. J'ai reçu des pommes. Pourquoi mon personnage, des fois, il fait genre, il veut ronfler? Je pense que c'est un petit bug en fait que t'as mis le truc du dodo. Ah non, non, c'est rien. Bah, c'est bizarre. Voici ta part. Vachement bien fait aussi les trucs des pommes. Ah, 12 pommes quand même. Quand même. 12 pommes. Recover 300 HP. Des fils de laine. Journal de quête, le journal d'Ethrid. Ah non, d'Ethrid. D'Ethrid. Ok. Lag, voilà. Bon. Apparemment, ça fait à peu près 13 minutes qu'on joue, donc on va encore jouer un petit peu. Toi, qu'est-ce que tu me dis? C'est pas toujours que je fais la visite. Ce n'est pas tous les jours que j'ai de la visite. Ouah, sais-tu au moins qui je suis? Non, je m'occupe des aigles et des pigeons voyageurs. Ah, ok. C'est vraiment utile lorsqu'on n'a pas de mage capable de faire. Parti, vous devrez la capitale, bien sûr, serait-il. C'est pas trop, il y a des noms, s'il vous plaît. Les dieux ne l'épargnent pas, la pluie a cessé de tomber depuis des mois. Pas de monstre, pas de monstre. Une armada de squelettes s'est renvoyée au cimetière, si tu veux. Pas de monstre, pas de monstre. Eh bien, sur la question. L'occasion de tester mon entraînement, c'est une bonne chose. Tu pourras tirer de loin à l'arc, Lyanna. Ça ira. Ah, donc peut-être que. On verra bien dans les combats, mais peut-être qu'il y a des personnages. Ah, bah non, non. Je pensais qu'il y avait des personnages qui étaient en première ligne et d'autres en deuxième ligne, mais non, c'est pas un SBS. Mais non, Lyanna, elle va venir avec nous. C'est notre copine. Si petite peau. Ok, j'ai rien fait, je vais juste parler. T'en aurais pas.
Vraiment, je suis prêt à payer cher. Il est flippant, ce gars. Écoutez, que cherches-tu? Enfin, quelqu'un qui m'écoute! J'ai besoin de tomates, j'en ai plus. Et si on aime les tomates, nous aussi? Je paye 9 pièces d'or la tomate. C'est plutôt une bonne offre. Si, si on récupère, j'espère que vous en trouverez. Ah ouais, mais il faut trouver des tomates. Où c'est qu'on trouve des tomates? Wouah! Alors, je savais pas que des bugs comme ça pouvaient arriver dans RPG Maker. Les armes apparaissent seulement après. Pourquoi pas? Je pense parce qu'en fait, il y a beaucoup d'événements dans cette ville. Et je sais pas, t'as peut-être pas mis d'anti-lag ou c'est peut-être juste mon ordi qui rame, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est comme ça. Bon, le moustachu a l'air un petit peu plus sage. Je voulais faire. Mais de quelle cloche tu parles? De quelle cloche il parle, le mec? Bon, on va rentrer dans les petites baraques. Ah ouais, c'est vraiment des petites maisons. Pousse-toi, le chat! Casse-toi! Le prix! Voilà. Quoi, je peux pas passer à cause de la putain de lampe? Non! Je sais pas si c'est un bug, mais je pense que oui, faudrait que tu règles ça. Ah, on est à Melda, d'accord, pas à Maïd. Je voulais me déguiser en pirate, j'ai mis un torchon sous ma tête, mais je pense que l'effet souhaité n'est pas là. Pourquoi faire ça? Très chic le torchon, pas le temps. On va être gentil, pourquoi faire ça? J'aime beaucoup les pirates, j'aurais bien aimé être un jour en être un. C'est toujours interdit à moins d'aller sur les îles du serpent, mais c'est tout. Ok, donc un jour on va aller sur les îles du serpent, il y aura des pirates, on va s'attaquer, c'est sûr ça. Ça ne m'aurait pas déplu. Je sais que je suis un bon à rien, on me le répète sans arrêt, mais j'ai assez de la monotonie de ce village. Certains vont comme les paradis, au contraire, j'imagine que chacun ses goûts. Bon courage à la piraterie. Merci de ne pas vous moquer. Ok, pas le temps. Oui, donc un pirate. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, il y a rien là-dedans. Bon, faut que je trouve des tomates là. Ça va pas du tout. Ok, là, voilà, je peux couper. Waouh, elle est grande la maison là. Oh, c'est excellent le bonhomme, comment il est fait. Avec les contours noirs, ça ressemble un petit peu au manga, à l'animé, comment ça s'appelle, L'attaque des titans. Les personnages, ils sont pareils. Les contours sont faits en noir. J'aime beaucoup. Alors, je devrais faire une recette particulière, je vais... Hein, je ferai autant de payer Tacita pour recevoir un bon repas pour ne pas décevoir ma famille, vous voyez. Hein, je fais de mon mieux pour plaire à ma femme, elle est si chaleureuse. Et bon, on va voir si ta femme est chaleureuse. Bonjour madame. Oh la tête. Je ne sais pas ce que je fais vous deux dans ma maison, mais j'espère que vous passez une belle journée. Ouais, c'est vrai. Wow, c'est bizarre. La femme a une réaction normale au début, elle se demande ce qu'on fait dans sa maison. Et après, elle nous dit, passez quand même une bonne journée. Je sais pas, moi, je vois deux gars qui rentrent dans ma maison, je leur dis pas, passez une bonne journée. Non, je leur dis, oh, la fille aussi est faite avec des contours noirs, j'aime beaucoup. Donc, ma mère est toujours joyeuse, elle ne sera pas fâchée de vous voir, j'étudie ici, hein. Ouais. Un livre de cuisine pour mélanger du lait de boisson, quelle idée. Quelle excellence. Il y a beaucoup de petites interactivités, pardon. J'aime beaucoup. Est-ce que je peux couper là? Je dois acheter une hache ou fabriquer. Ok. Oui, il est fatigué, mon bonhomme. Oh, la tronche du mec. C'est vraiment si calme, ce village. Je ne comprends pas pourquoi vous partez. C'est personnel. Je dois retrouver ma famille. Ah oui, ton père. Ça fait bien longtemps qu'il est parti. Ça commence à dater. J'espère que tu le retrouveras. Pff, moi aussi, j'espère. Oh, un arbre. Oh, excellent. Mais c'est quoi, ça? Sorti d'ici tout de suite. C'est ma demeure. Excusez-nous. Pourquoi ça a bugué? Pourquoi ça a bugué? Oh non, ça a bugué. Bon. Bon, re tout le monde.
Donc le jeu a planté, j'ai perdu ma sauvegarde. Donc c'est trop cool, il faut que je refasse les quêtes. C'est pas très grave, je vais les refaire, bon c'est. Ça arrive, hein. Donc je sais que je vais pas rentrer dans la maison arbre, hein, c'est déconseillé. Donc bah là devant vous, je vais juste refaire la quête des moutons. Pourquoi? Parce que je l'aime bien. J'aime bien les moutons. Donc je vais refaire la quête des moutons. Après bah je vous laisserai, je referai off vidéo, j'ai envie de dire les autres quêtes que j'ai déjà fait, et on se retrouvera pour un prochain épisode où je serai revenu au bon niveau, on va dire. Donc voilà, donc je finis les moutons et on va se dire au revoir. Je finis juste les petits moutons. Ben, très bien fait les bruits de moutons. Je sais pas si tu les as fait à la voix. C'est une blague. Je sais que tu les as pas fait à la voix, c'est pas possible. Chut, Rex, c'est juste Pyros. Espèce de sale toutou, pourquoi tu m'aboies dessus? Je suis gentil pour autant. Quête complétée. Recevez 7 étoffes de laine. Bon. Merde, fallait pas que je fasse ça. Alors, on va sauvegarder. Hop. Voilà. Liana, très bien faite. Et ben voilà tout le monde, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous dire et ben à la prochaine, hein, pour un prochain épisode forcément. Salut, ciao!